Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons au cirque Arlingrus, donc c'est parti pour au cirque Arlingrus. Yes. Nathan, t'as trois diètes. On va déposer Jafar, boum, je fais ça. Oh, il y avait qu'à venir au cirque avec nous. Hein. Allez, c'est bon. Voilà, revenu du cirque Arlingrus, donc quelques jours après, parce que la vidéo je l'ai fait un peu quelques jours après. Désolé si vous n'avez pas eu plus de choses, genre on pouvait pas filmer dans le cirque, j'ai mis un petit message juste avant cette partie du vlog. Mais on ne pouvait pas filmer ni prendre de photos pendant le spectacle, même s'il y a des gens qui le faisaient. Et puis deux, j'avais plus de batterie, il restait 1% de batterie quand j'avais filmé quand j'avais fini la prise, j'ai pris un... pas un panorama mais de tout le chapiteau à l'intérieur. J'ai dû éteindre mon téléphone, j'avais plus de place, j'avais plus de batterie. J'espère que la luminosité allait bien. C'est parce qu'il fait chaud. Désolé si vous entendez quelques chiens, des bruits, tout ça, parce que j'ai ouvert un peu parce qu'il fait un peu chaud. L'été arrive à grands pas, enfin. Des nouvelles vidéos extérieures. Super, on a des idées on va pas vous dire maintenant qu'est-ce que c'est. On a des idées de vidéos pour l'été. Qui peuvent vous rafraîchir, bien sûr, des challenges, des nouvelles vidéos, vous verrez bien. Mais là, je voulais vous parler un petit peu du cirque Arlingrus. Donc, Nathan n'est pas là parce qu'il est à l'école. Moi, au matin, je n'ai pas cours. Dans deux jours, c'est vacances. Dans un jour, je crois. Vous verrez cette vidéo le 19. Jeudi 19, un truc comme ça. Donc, mon avis sur le spectacle d'Arlingrus de cette année 2018. Vraiment superbe. Un mot, c'est vraiment superbe, incroyable. Je vais pas vous raconter, je vais pas vous spoiler un peu le spectacle. Si dans votre ville ou proche de chez vous, vous allez aller le voir, je vais pas vous dire. Mais vraiment, ça mérite d'aller voir le spectacle au moins une fois dans sa vie. Et cette année, vraiment, chapeau. Juste à part, pour moi, je vais vous dire. Si vous n'avez pas envie d'entendre en fait ce que je vais dire, ben, passez un petit peu la vidéo. Mais juste ce que j'ai pas aimé cette année, c'est les fauves. Pour moi, dans ma ville, peut-être dans les autres villes, ils vont être un petit peu plus actifs. Mais là... ils étaient endormis sur les petits socles qu'ils avaient, les petits tabourets, on va dire ça comme ça. Ils étaient endormis. En fait, c'était pas le même dresseur. Donc, c'était juste ça le point faible en fait, du spectacle. Sinon, après le reste, c'était magnifique, superbe. Voilà, donc rien d'autre à dire. C'est un spectacle, enfin, c'est un cirque à aller voir une fois au moins dans sa vie. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller le voir, n'hésitez pas à aller le voir au moins quand on sera plus grand, voilà, avec vos enfants, avec votre famille, tout ça. Les meilleures places, je vais vous dire, c'est le Carré d'Or. Donc en plein milieu, nous on était là tout en haut. Et vous voyez mieux en fait tout le spectacle. Parce que sur les côtés, vous voyez pas très bien ce qu'ils font au milieu, tout ça. Après, sur les. Pas au milieu, mais sur les côtés, à côté du Carré d'Or, c'est bien, mais vous avez le poteau en fait devant vous, donc c'est un peu gênant. Que là en fait, vous êtes en plein milieu, vous avez rien qui gêne le spectacle. Ben voilà, c'est tout. La meilleure place pour moi, c'est au niveau du Carré d'Or. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce petit vlog qui a été créé. Donc c'est la première fois que je crée une vidéo avec iMovie. Donc voilà, si ça vous plaît. Les vlogs, je ferai souvent, enfin je ferai tout le temps avec iMovie, comme je vais filmer avec mon téléphone, voilà. À part les grands vlogs, comme par exemple dans les parattractions ou quoi, ça je filmerai avec ma caméra et ça sera sur le PC. Mais sinon les petits vlogs comme ça, je ferai avec mon téléphone et je monterai la vidéo avec iMovie. Donc si ce petit vlog vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter la vidéo, à partager la vidéo si ça vous a plu. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut !